Salut à tous, c'est Zitax. Dans cette vidéo, on va aller voir les jeux PS Plus du mois de juillet, donc les jeux qui sont gratuits ce mois-ci. Vous allez voir qu'il y a des jeux plutôt intéressants. Donc déjà, on commence par un jeu qui est disponible uniquement sur PS5, c'est une exclusivité. Il s'agit du titre A Plague Tale Innocence. Donc voilà, donc c'est un jeu tout simplement qui est développé par un studio français Asobo. Donc c'est un jeu plus ou moins, il y a une peste noire qui arrive, et enfin bref, il y a pas mal de choses qui se déroulent dans ce jeu. On a aussi du coup pour les joueurs PS4 et PS5 Call of Duty Black Ops 4, donc ça fait plaisir. Par contre, il n'y a pas de mode solo dedans, il y a trois modes multijoueurs et le mode zombie, donc ça franchement ça fait plaisir. Le Black Ops 4, il était plutôt bien, personnellement je trouvais, même si j'avais une préférence pour le 2 et plus ou moins pour le 3. Ensuite, on a du coup pour finir le jeu WWE 2K Battleground, donc qui est tout simplement un jeu de catch principalement, où vous avez la possibilité de faire affronter différentes superstars de la WWE pour ceux qui connaissent. Voilà un petit peu pour les jeux justement du mois de juillet qui sont gratuits sur le PS Plus. Je le rappelle, le PS Plus c'est un abonnement qu'il faut tout simplement acheter pour pouvoir jouer en ligne, et vous avez du coup la possibilité d'avoir certains jeux gratuits, donc les jeux du mois principalement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la fois prochaine. Ciao tout le monde.